Salut à toutes et à toutes, c'est Piroui, et on se retrouve pour la suite de notre fabuleuse aventure sur Lobotomy Corporation. Alors, aux dernières nouvelles, si je me souviens bien, on avait rajouté une nouvelle branche, celle de Netzac, qui allait nous permettre de découvrir les nouvelles Beyblades. Quoique non, on avait carrément déjà découvert certaines d'entre elles. Je me souviens très bien d'ailleurs de Bottom Text, qui a fait un travail admirable. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a des nouveaux trucs à rajouter à nos employés? Les armes, ça a l'air d'avoir été distribué déjà. Ah, zut. Et les combinaisons, il en manquait. Enfin, il y en avait une qui n'avait pas été mise, mais bon, du coup, vu qu'elle faisait prendre des dégâts rouges un peu plus importants, on l'avait donné à personne. Bon, écoute, on va partir sur ça. Est-ce qu'on recrute à l'avance le prochain employé pour l'équipe de sécurité? Non, écoutez, on va voir si ça marche comme ça, et puis pour la suite, on avisera. Alors oui, c'est vrai, il y avait la dame du mur bizarroïde qui était super glauque. Il y avait quoi d'autre? Il y avait un arbre avec des mains dedans. Ça ne me dit rien. Ça devait être le nouveau truc qu'on avait ajouté. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors premièrement, on va s'occuper de Mamie comme d'habitude, quoique. Mamie, si je dis pas de bêtises, ouais, le max de boîtes qu'elle peut fournir, c'est 14. On va essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Alors ici c'est 14. Ici ça donne pas de boîte. Le bébé, on n'en parle pas, il n'existe pas. Les ondes hertziennes, c'est 12. Du coup, on peut faire du travail avec Mamie. Alors, Mamie, c'était attachement, si je ne dis pas de bêtises, on vérifie comme d'hab. Ouais, c'est ça, attachement. Ok. Du coup, c'est parti pour un peu d'attachement avec Yunhod, qui n'a pas les lunettes, donc avec un peu de chance, il va les choper. Ensuite, la baignoire. Alors, faut faire gaffe parce qu'on a déjà perdu quelqu'un dedans, si je me souviens bien. Alors, c'était quoi l'histoire? C'était attachement pour la baignoire. Alors, il faut avoir une fortitude de 2 ou plus. Ok. Donc, attachement qui a une fortitude de 2 ou plus. Fortitude, c'est le rouge, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. On va envoyer Robert, parce que Robert, il gère. Quant au bébé, on ne parle pas du bébé, on ne regarde pas le bébé, on ne pense pas au bébé. La madame bizarroïde, c'était quoi son histoire à elle? Alors, à part le fait qu'elle respire de façon très glauque dans l'oreille des gens. Les intervenants de tempérance 1 peuvent se retourner vers machine. Donc ok, il faut plus que 1 en tempérance. Donc il faut 2 en tempérance minimum. Peut-être attachement? Ouais, forcément. Ah, mais attachement, ça diminue son compteur. Ok, donc on va partir sur de l'instinct. Lorsque le résultat est mauvais, le compteur diminue. Ok, bon. D'accord, donc on va faire de l'instinct avec la dame, avec quelqu'un qui a une tempérance de 2 ou plus. Et pour ça, nous avons l'employé parfait. Bottom text, à toi de jouer. Quant à l'arbre, l'arbre, on n'a aucune information sur lui, donc ce serait peut-être intéressant de commencer à tester 2-3 choses. Un arbre, qu'est-ce que ça pourrait aimer un arbre? Là, il y a un truc qui sort de l'arbre là avec des petites mains, donc je dirais répression, moi personnellement, là, foutre des petits coups de pied pour que ça rentre, mais c'est pas forcément la meilleure idée du monde. On va peut-être attendre que Bottom Text ait fini de travailler avec Machine parce que ça se trouve c'est aussi une bestiole qui nécessite d'avoir un 2 ou plus en quelque chose. Donc pour l'instant on va pas risquer. Bon, comme d'hab ça s'est bien passé avec la baignoire. On va renvoyer Robert dessus. Toujours de l'attachement. J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est terrible. Ok. À toi de jouer Robert. On en est où pour la journée? On en est déjà à la moitié de la barre d'événements, ce qui est pas foufou. Mamie, étrangement, ça s'est pas passé super super avec elle. Allez savoir pourquoi. On va renvoyer Piroui. Pof, pof, pof. Et
La dame du mur, ça s'est passé approximativement correctement. On va débloquer la suite. Ok, donc c'est commun qu'il faudra faire avec elle. Ensuite, les tenues, c'est 25 la pièce. Et elle ne peut pas s'enfuir. Donc la suite, ce sera de débloquer ses informations générales. On va refaire un travail avec elle. Donc c'est de l'instinct avec pouf 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 bottom text. C'est parti. C'est un peu triste d'avoir un seul employé qui fait toutes les bestioles dans les différentes ailes parce que bon, la baignoire, on peut pas vraiment envoyer qui que ce soit d'autre vu que c'est un des seuls qui a une fortitude de 2 ou plus, Robert. On pourrait envoyer Warsen mais il est pas très doué en tempérance quoi, c'est ça le problème. Après on peut tenter au pire. Oh non, ça vaut pas le coup. C'est un coup à avoir un accident ça. Mamie, ça va mamie? Mamie elle a été gentille, ça va. On a rien d'autre à débloquer? Non, mamie on avait tout débloqué. Au final, est-ce que c'est à perte de gagner des boîtes dans les trucs? Bon là, mamie elle donne beaucoup de points donc pour la barre verte c'est cool. Mais c'est vrai que du coup je me pose la question. Ah nice, c'est un très bon travail ici. On va pouvoir débloquer les informations générales. La dame fixant le mur. Je crois qu'on l'avait déjà débloqué à l'épisode dernier, non? Ça me dit quelque chose, la cale criante. Qui est beaucoup trop stylée. Je veux cette chose. Ça se pourrait que j'ai rejoué la journée. Bon, on s'en fout. Allez, on est là pour découvrir après tout. Donc, instinct. Ne pas faire la même erreur que la dernière fois. Ne pas faire de l'attachement. Allez, à toi de jouer bottom text. Alors là, normalement, dès que bottom text va rentrer là-dedans, on aura notre premier meltdown. Il faudra qu'on s'occupe d'une anomalie random. Et on croise les doigts pour que je sois pas bébé. Putain, pourquoi est-ce que je me suis jinx? Oh non. Oh non, nique-toi. Oh, immonde créature. Ok. Bon, instinct. Robert, tout repose sur toi, Robert. Pitié, Robert. N'échoue pas, Robert. Sinon on va tous mourir. Enfin non, pas tous, mais une personne va mourir. Et si jamais c'est pas un pauvre petit sbire comme ça, ça va me foutre les boules. Et je vais recommencer la journée, Robert. Et je veux pas recommencer la journée, Robert. Allez. Allez, tu gères, Robert. Montre-lui à ce fœtus, c'est qu'il bosse. Ok, Robert. Concentre-toi. Pense à des choses calmes. Ne te concentre pas sur la respiration dégoûtante de cette créature. Ouais, ça c'est bon ça, Robert. Ouh, il gère la fougère. Ok, d'accord, je me suis peut-être un peu emporté, c'est bon. Vas-y, Robert, continue. C'est excellent. Ah oui, excellent. Un travail admirable fait par Robert, c'est vraiment le boss. Le boss du game. Alors, toutes les trucs du bébé coûtent 45, donc la prochaine fois qu'on aura travaillé avec lui... On en aura débloqué une si on fait pas trop nawak. La madame qui fixe les murs. Bon, ça a l'air d'être toujours à peu près correct. On va devoir se taper quand même l'apparition de bestioles parce que malheureusement je pense pas qu'on réussisse à tout remplir. On est arrivé presque à la moitié des boîtes nécessaires pour la journée. Donc ouais, non, ça va être compliqué. À toi de jouer, bottom text. Continue de faire absolument tout le travail. Bon, vous savez quoi? Non. On va s'entraîner un peu sur ça. Vous savez, non, on va faire mieux. On va envoyer un petit employé qui a rien demandé. De préférence, quelqu'un sur qui on compte pas trop. Reinhardt, j'ai mis des points pour toi. T'as l'air smug, Reinhardt. Tu sais quoi? Va voir si ça marche. Le travail d'instinct. Réprécié attache m'instinct. Allez, c'est parti. Mais Reinhardt a vraiment pas beaucoup de vie. Ouais, mais il a pas de tenue non plus. Donc allez hop, Reinhardt, à toi de jouer. Enfin, fais de ton mieux. On verra ce que ça donne. Bottom text, tu fais autre chose. Mais bon sang, les entités qui respirent fort dans le micro, est-ce que on pourrait arrêter d'en avoir? Parce que entre le bébé et la madame du mur, ça commence à bien faire. Ok, un bon. Ok, c'est un seul bon. Oh, ok, on arrête là. Il a pris la moitié de sa barre en un échec, en deux échecs. On a qui a des armes qui calment ici. Le couteau, c'est du blanc ici. Toi, c'est du blanc ici.
J'aurais peut-être dû penser un petit peu plus à ce que j'allais faire si jamais la situation partait en steak. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Reinhardt? Reinhardt, calme-toi. Ok, c'est pas grave. Tout le monde, à toutes les unités, Reinhardt est en train de péter un câble. Calmez-le. Appliquez-lui des calmez-le. Voilà, c'est bien. Ouf, un bon calmez-le là. Excellent. Bon, je sais plus c'était qui la dernière personne qui avait pété un câble et qui avait couru comme un taré, mais heureusement, Reinhardt a réussi à gérer cette situation. Ok, donc on peut à peu près se douter que c'est pas de l'instinct. Pourquoi ne pas essayer un peu de répression? À toi de jouer, Reinhardt. On sait aussi que cette créature ne tue pas les gens, apparemment, quand elle est fâchée. Ce qui est bien. Ok, donc là c'est répression qu'on fait, je crois. Ok, un bon. Pour moi, c'est bueno. Ok, un seul bon. Ok. On va jamais s'en sortir, c'est terrible. Tiens, Robert, pendant que tu y es, toi aussi t'es un petit peu tôt. Tu vas aller me chercher machin. Ah, et un peu de mieux. Un peu. Pas grand chose, mais c'est préférable à rien. Ok, ouais. Ok. T'inquiète, Pépère, on va te soigner. On va te soigner de la seule manière qu'on connaît, c'est-à-dire en te cognant dessus. Non, par contre, il va plus vite que tout à l'heure, là, non? Il va plus vite que tout à l'heure. Reviens là. Non, arrête. Non, stop. Et bon sang, mais que quelqu'un l'arrête! On n'a pas quelqu'un avec un flingue qui traîne là dans l'équipe d'en haut, vous servez à rien. Tiens, Elena. Parfait, t'as un flingue. Tire-moi sur cette personne qui est en souffrance. Ah! Ouais, pas mal! Bien joué, les gars! Ça, c'est excellent! Bravo, mes petits gars! Elena, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Voyons voir. Pendant ce temps, la baignoire, elle a mangé personne, c'est bon? Non, la baignoire n'a mangé personne. On a déjà tout débloqué pour la baignoire. On avait même lu sa petite histoire, si je me souviens bien. Dit quelque chose? Non. Bon, on lira l'histoire de la baignoire à la fin de cet épisode, écoutez. D'ailleurs, je vais peut-être les raccourcir à une journée par épisode, parce que la dernière fois, ça a quand même fait une vidéo d'une heure. Et bien que je ne les édite pas beaucoup, c'est embêtant quand elles sont trop longues. Qui es-tu? Reinhardt. Oui, c'est vrai, je t'avais demandé. Et là, c'est qui? Elena? Ouais, je crois que c'est Elena. Ah non, c'est pas Elena. T'es qui? Bon sang, j'ai déjà oublié qu'il travaillait dans cette équipe. C'est pas grave. Donc, c'est pas instinct, c'est pas répression. On va essayer de s'attacher avec cet arbre. J'ai envie d'essayer avec bottom text cette fois. Parce que bon, quitte à échouer, autant que ce soit fait avec classe. Et puis surtout, Bottom Text pourra peut-être résister aux assauts psychologiques. Ouais, il pourra tenir facilement. Et en plus, Ah non, j'allais dire, je pense qu'on a trouvé la bonne chose à faire, mais c'est encore un petit peu kiff-kiff bourrico tout ça. Hein. Ouais, non, c'est pas la grosse grosse joie. Heureusement, Bottom Text a. Oh, attendez, l'arbre il a fleuri là, non? Il était déjà fleuri? Ok. Alors, l'équipe, vous restez là. On va débloquer des trucs. Et... Ah non, c'est moi qui suis là, ok. Alors. Attachement. Commun. Perspicacité. Commun. Ok. Bon, on va faire de l'attachement maintenant. Écoutez, alors, ce sera pas plus mal. Retournez-vous reposer, les boys. Au final, il n'y a pas de catastrophe. On commence à avoir assez d'énergie. C'est pas mal. J'aimerais limite refaire un travail avec bébé. C'est peut-être pas très sûr. J'aime pas jouer avec bébé, c'est quand même très risqué. Ouais, non. Je sais que ça donne beaucoup de boîtes, mais bon. Franchement, pour ce que ça donne. Ça vaut pas le coup de risquer la vie d'un employé random. Allez, attachement avec la baignoire, Robert, à toi de jouer.
la sève de l'arbre, on avait tout débloqué? Non. On n'avait pas un préposé à la sève, qui a explosé d'ailleurs. Voyons voir. Dans cette équipe, qui est-ce que je n'aime pas? Melendez! Bonjour Melendez. Melendez, pourrais-tu me dire quel goût ça a ce truc? Merci Melendez. Et pendant que tu y es, reste dans le couloir aussi. Petite précision au cas où. Alors, franchement, je kiffe pas le fait que ce truc ait fleuri en fait. Ça sent le pâté. On va plutôt se concentrer sur la madame et peut-être débloquer l'arbalète stylée. Ouais, ça m'a l'air d'être un petit peu plus safe comme choix. Donc, on veut faire de l'instinct avec elle. Ne pas se gourer, ne pas se gourer. À toi de jouer, Bottom Tax. Bon, pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer aujourd'hui. On n'a pas perdu trop d'employés. Enfin non, pas du tout même. On n'a presque pas eu de mental breakdown. Oh, Wenxin, il est là dans sa cage et puis on s'occupe plus de lui. Et oui, mais Wenxin, tu donnes pas beaucoup de boîtes surtout, c'est ça le problème. Et Podé, qu'en est-il de Podé? Parce que mine de rien, Podé, il donne quand même des boîtes, je crois. 12, ouais. Ouais. C'est pas non plus extraordinaire. Mémé, c'est fini. Bon, on va continuer sur la baignoire. Hein. La baignoire, c'est une valeur sûre. Mais c'est vrai que, mine de rien, maintenant, je commence à voir Robert qui est doué en ça. Allez, on n'ira pas loin si on prend pas de risque. Est-ce que je risque de perdre une journée entière pour ces bêtises? Oui. Oui, j'ose. À toi de jouer, Robert. Montre-moi ce fœtus qui gère la boîte. En théorie, c'est moi. Mais bon, vas-y, Robert, fais ce que tu veux. Bon sang, mais silence. Faut que je vérifie à chaque fois que c'est bien de l'instinct. Genre, je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit peu peur de faire une... Ok, calmez-vous. C'est des petites bêtes. Ok. Fait pas si peur que ça en vrai. Je dis ça mais je sens que je vais regretter très vite mes mots. S'il vous plaît, à toutes les unités, allez tabasser ces petites bêtes immondes immédiatement. Let's go. C'est pas les bêtes qui libèrent les entités ça en plus? Attends, on va surveiller un peu la situation. Okay, je ne sais pas ce qu'elle peut douer mais de toute façon elle on peut pas la libérer. C'est une bonne chose. Là-bas. Bon, j'imagine que... Voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Ah, aïe. Elles explosent quand elles meurent. C'est une chose à prendre en compte. Kimouil, tu gères? Ouais, Kimouil, tu gères. Et qu'en est-il de là-bas? Oh, bah, ça a l'air d'être bon. Bon, elle a un peu explosé et blessé tout le monde, mais... Mais en soi, c'est pas trop mal. Hep, 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 hep. Touche pas. Eh hey, Robert t'as géré. Robert t'es un boss. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Espèce de créature immonde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des bébés barouis. Et la skiasse. Il y a un petit cas mais on le doute. Je hais ma putain de vie. Ouais, ouais, je suis au courant, je sais Yezod, merci mon grand. Velasquez, mon subordonné est mort à cause de votre incompétence. Merci Yezod. Rien ne peut compenser la mort de cet employé. Mélandez de l'équipe d'information est mort. S'il vous plaît, faites plus attention à nos employés administrateurs. Ouais, j'essaye vraiment. Je te jure que j'essaye de mon vieux. Je suis dégoûté. Mais je le savais en plus qu'ils explosaient. Pourquoi je l'ai pas fait reculer? Ah, bon. Putain, quel con. Ah, j'ai mal géré. J'ai très mal géré. Bon, bah écoute. La tenue là, c'est quoi? C'est du... C'est pour tenir le blanc. Les dégâts blancs. Ça peut être bien contre... Contre Miss...
Miss Mur, mais bon, on va prendre l'arme. Je suis dégoûté de ma putain de life. Ah, c'est impressionnant. Oh putain, on était à ça de faire une parfaite journée. On était à ça. Et il fallait que ça foire. Alors oui, on va portée très longue. Ça, c'est plutôt cool. Et en plus, c'est des dégâts blancs, tout ce que j'aime. Allez, go. C'est bon, arrêtez la musique tragique, hein. Ils sont tous morts. Je sais que c'est la merde, mais quand même. Pourquoi il y a des coups de feu? Parce que... Oui? Non? Bon bah d'accord, on finit la journée dans une petite ambiance bien nerveuse. Très bien, alors allez accomplir un travail d'instinct s'il vous plaît, très cher bottom text. Et puis vous savez quoi, on va retry les animaux. Il savait pas assez de PV. Vous savez quoi, première chose qu'on fait demain, on booste Kim Will. On booste la vie de Kim Will très rapidement avant qu'elle explose à cause d'un pantin moche. Hey, on repasse une bonne journée. C'est cool. Ok. Bon, écoutez, ce sont des choses qui arrivent, hein. On peut pas toujours tout bien gérer. Hein. Ce sont des petites erreurs qui font que la vie est belle. Après tout, s'il n'y avait pas un peu de difficulté, qu'est-ce que ce serait? Je vais pas recommencer à chaque fois que je perds un employé non plus, parce que c'est un peu lame. Mais bon. Bon bah, adieu à Velasquez et Melendez. Deux de mes meilleurs subordonnés que je n'oublierai jamais. Rappelez-vous toujours de leur nom. Tout de suite, un montage de tous les bons moments qu'on a passé avec eux. Eh bien non, parce que je suis une personne qui est extrêmement feignante et qui a la flemme de faire un truc comme ça. Mais c'est dommage, hein, ça aurait été sympa. Tant pis. Bon bah, on va avoir besoin de nettoyeurs dans l'aile 2, s'il vous plaît, pour enlever les petits morceaux. Eh ben Robert le boss. Robert qui gère le bébé. Franchement, rien à dire, Robert. Je kiffe ton travail. Mais quoi, on va... Est-ce qu'on forme la madame? Non, on a toutes les infos, on a tout ce qu'on veut. On avait lu sa petite histoire hier. Enfin, hier, la dernière fois. Bon, vous savez quoi, on va terminer... On va terminer ça avec l'histoire de la baignoire de sang. Quoique non. Non, je suis plus sûr de l'avoir lu ou non, donc on attendra pour avoir les informations de cette nouvelle bestiole. On a tout débloqué ici, oui, niveau d'observation 4. Bébé aussi, je crois. Oui. C'est cool. Bon, et bah. Fin de tournage pour cette journée qui, ma foi, était pourtant bien partie. Attendez, mais non, en fait j'ouvre ma bouche, mais il reste encore 3-4 points à grappiller pour terminer la journée. Bah, du coup, on va terminer sur elle. Avec un travail fait par Bottom Text, si je top line. Puis on boostera peut-être un peu Bottom Text en fonction des points qu'on a. On verra bien si on a des points égaux ou non. Mais c'est sympa cette histoire d'extraire des armes, des créatures qu'on étudie. Au final, ce serait sympa si EDF ça marchait comme ça. Ce serait plus intéressant de travailler là-bas, quoi. Après, je sais pas s'ils auraient autant d'offres d'emploi, parce que ça a l'air quand même un peu pointu. Je me demande pourquoi est-ce que le truc de défense a une espèce de grosse rose dans une coupole en or. Genre, ça défend quoi exactement? C'est joli, cela dit, mais... après le gros baril de déchets radioactifs à côté, ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu dangereux quand même. Oh putain, non. Je suis trop dégoûté. Oui, les Andersiennes, gentil. Bon, on a fait quand même 2-3 points. Et bah, fin de journée un peu compliquée, hein. Alors, qui a changé? On a un petit peu plus de vitesse de travail pour Piroui, un petit peu plus de vitesse de travail pour Robert, pour Yon-Hod. Robert, lui, il a gagné des PV, du taux de la vitesse de travail, et c'est tout. Et après, on a Bottom Text qui lui a gagné des PV, de la fortitude, bien ouais, et de la vitesse de travail. Excellent. Bon, bah écoutez, on se tape un B, hein. C'est dommage, c'est un peu dommage.
Jour suivant, s'il vous plaît. Ah, cinématique. Cinématique, c'est la musique des... Oui, c'est la musique de B. La première vérité que je vous confierai est... N'accordez aucune confiance aux IA qui vous accompagnent. De nos jours, la plupart des IA possèdent l'intelligence d'au moins 10 personnes combinées. Certaines peuvent même feindre les émotions humaines aisément. Cependant, elles peuvent faire des choses dont vous n'êtes pas encore informé. Par exemple, mais attendez, V, B, on n'a pas déjà parlé de tout ça? J'ai comme une étrange impression de déjà vu. Eh, tant pis. Par exemple, certaines IA peuvent mentir. Ou plutôt, pour être plus précis, elles peuvent taire certaines informations. Si le régulateur d'une IA lui a donné l'ordre de ne pas partager une information spécifique, elle n'a aucune obligation de dire la vérité à qui que ce soit en dehors de ce régulateur. Certaines IA avancées peuvent exploiter cet ordre pour dire des mensonges, détournant le sens de la commande. J'ai déjà programmé une IA. Enfin, pour être plus exact, participé à sa programmation. C'est ainsi que j'ai appris qu'une IA ne dira pas nécessairement la vérité. Dans l'éventualité où vous doutiez de mes propos, je vais vous envoyer un programme que j'ai développé moi-même. Oui, c'est le machin qui clignote quand quelqu'un ment. Celui-ci fonctionne comme dans Pinocchio. Son nez se rallonge, la couleur rouge symbolise le mensonge. C'est une version expérimentale, donc elle ne fonctionnera qu'une seule fois. Oui. Bah oui, pour le coup, je m'en souviens. Je me souviens. Et on avait une autre aile de débloquable, mais j'ai vraiment pas envie de partir sur une autre aile tant qu'on n'a pas renforcé celle de Netzak à fond. En plus, regardez-le, le pauvre, il est au bout de sa vie. Ce serait dommage de pas lui donner un petit peu plus de fond pour sa boîte, enfin pour son aile. Eh, vous êtes sûr de vouloir développer le secteur de sécurité avant de commencer la journée? Oui, Netzak! Nous allons faire de grandes choses, toi et moi. Bon, allez! C'était un peu court. Certes, il y a eu des morts, il y a eu du sang, il y a eu un petit peu de drama, mais c'était un peu court comme journée, et puis en plus de ça, on s'est retapé du texte qu'on avait déjà entendu. Alors moi, je dis... on refait une journée. Allez, c'est parti. Et avant ça, on va recruter des nouveaux employés. Naré. Très bien, très bien. Bienvenue dans l'équipe, Naré. Tu seras la nouvelle préposée à la potion magique. Ensuite... Oh, Oliver, voyez-vous ça? Oliver, pourquoi t'es équipé d'une tenue spéciale, Oliver? C'est bizarre. Oliver, bienvenue dans l'équipe, toi. Tu vas dans l'équipe de sécurité parce que tu as une tête extraordinaire. Et Cédric, tu n'as pas une tête à t'appeler Cédric, mais ce n'est pas grave, nous ne jugeons pas. Nous sommes ouverts dans cette boîte. Très bien, et bah bienvenue dans la boîte, Cédric. Kimouil. Kimouil. Voilà. Hein. Bon. On va pas se mentir, ça m'a un peu traumatisé la mort des deux autres. Alors voilà. Alors c'est vrai qu'on a une nouvelle arme. Une arme qui a l'air très rigolote. Que j'aimerais bien mettre dans l'équipe de sécurité pour être franc. Bottom Tex qui a le couteau. Bah, je vais lui filer l'arbalète. Et quant à ce truc là, la flûte de Pan. On va la filer à Robert parce que les points de podée c'est bien gentil mais ça fait des dégâts blancs, rouges et donc on peut pas calmer les gens avec. Donc ce sera plus cool si il peut endormir les gens avec ça. Alors voyons voir. Oh là non. Et puis tant qu'on y est, pour les petits nouveaux, on va donner une arme à chacun des nouveaux histoire qu'ils puissent se sentir acceptés dans la boîte. Quant aux combinaisons, on a une combinaison TEF qui renforce. Ah bah parfait, ça renforce la résistance aux dégâts blancs. Donc Oliver, équipe de sécurité, à toi l'honneur. Les dégâts rouges. Qui prend des dégâts rouges ici? Équipe de sécurité, elle en prend aussi au final. Allez, on part sur cette composition. On a les équipes qui sont pleines. Je vais peut-être juste vite fait vérifier que les employés, elle a 18, Reynard. Reynard. Allez, 10 points de lob. 10 points de lob pour Reynard, parce que bon, j'en ai marre de voir mes employés exploser. C'est toujours un peu triste quand ça arrive. Parfait. Tout le monde est à peu près solide. Courtenay. Allez, Courtenay, toi aussi.
Aujourd'hui, on renforce tous les employés. Enfin, tous les employés. Les employés de la section de sécurité. Après tout, s'ils nous protègent, il faudrait qu'ils puissent se protéger eux-mêmes. Ok, c'est parti, jour 13. Allez, on y croit, au les cœurs. Aujourd'hui, pas de mort. Enfin, pas trop. Naré, j'adore ton visage enjoué. Alors, aujourd'hui, Naré, tu vas t'occuper de ta première entité extraordinaire. C'est-à-dire, tu vas boire du jus. Et c'est tout. Ensuite, la baignoire, c'était de l'attachement, mais on vérifie quand même parce qu'on est complètement psycho. Voilà. Et ensuite, on envoie. Pouf, pouf, pouf. Il faut quelqu'un qui ait deux ou plus. Et ça m'ennuie d'envoyer tout le temps Robert. Deux ou plus de fortitude. On va envoyer Warsen, je pense. Est-ce que ça compte? Non, c'est bon, ça compte pas de gérer juste le produit parce que ça aurait été embêtant de se taper un point de meltdown juste parce qu'on a fait boire de la potion magique. Oh, t'es où? Alors, par contre, nouvelle loi, quand tu bois de la potion magique, tu restes en bas et tu ne bouges pas. Parce que c'est comme ça, c'est une règle. Il faut se plier aux règles. Bon, donc on disait de l'attachement avec Robert parce que bon, au final. On n'a pas forcément envie d'échouer. Mamie, tant qu'on peut encore, on va faire un travail d'attachement avec elle. De préférence. Pouf, pouf, pouf. Mais. Il n'y a presque plus personne qui a les lunettes de mamie, ça m'étonne. Bon, tant pis. Bon, bah écoute, you know, let's go. Occupe-toi un peu de mamie. Et une fois qu'ils ont. Bonjour. Bonjour petit être, qui es-tu? Tu es mignon. C'était qui? Bon sang, c'est qui? Mais attendez, ah, mon cerveau, ah, ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué à ce jeu, parce qu'à chaque fois je joue à ce jeu une fois par an. Attendez, c'était pas elle la nouvelle entité? Non, c'était. Celle-ci du coup? Et je l'ai pas vue de toute la journée? Non, il y a dû se passer quelque chose. Parce que là, tout le texte sur Pinocchio et compagnie, ça me disait quelque chose. J'ai l'impression qu'on a rejoué une journée pour une raison mystérieuse. Bon, tant pis. Travail? Oh, j'allais dire parfait. Bon, presque parfait. Très bien joué. J'ai envie de te voir avec ton arbalète, bottom texte. Vas-y. Oh, elle sort pas l'arbalète. Dommage. Du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer. On avait dit qu'attachement c'était moyen, c'est ça? On a du commun et du commun. On va faire du coup de l'attachement avec ce truc. Parce que je crois que personne n'est vraiment doué à autre chose. Avec bottom text. Quoique. Vu que c'est du mental, bottom text a moins de mental. Que Courtenay mine de rien, et Courtenay est aussi très doué en prudence, donc on pourrait lui faire faire de la perspicacité avec avec l'arbre. Et en plus de ça, comme ça Bottom Tech se tient dans le couloir prêt à lui tirer dessus si jamais elle pète un câble avec sa nouvelle arbalète toute blanche. Ce truc là ne m'inspire pas vraiment confiance parce qu'il a quand même des petits yeux rouges un peu méchants, mais d'un autre côté il est très mignon et il a l'air extrêmement poli. Ce qui est bien, parce que jusqu'ici, la plupart des entités n'ont pas l'air très sympathiques. Hein. Bon, bah du coup. J'ai envie de faire un travail avec le bébé, mais vraiment, c'est risqué. C'est risqué. Eh bah voilà, un travail excellent, là, de la part de Courtenay. En fait, mais c'est ça qu'il fallait faire, bon sang. Courtenay, GG à toi. On a enfin trouvé ce qu'il fallait qu'on fasse. On va pouvoir débloquer quelques informations parce que cette histoire d'arbre qui fleurit, ça me met pas à l'aise. Alors, allez hop, 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 et hop. On lit tout ça. Alors, lorsque les résultats de travail est bon, le compteur diminue. Ok. Quand un employé panique, ça diminue. Quand le compteur atteint 0, un employé au hasard commence à se diriger vers. Lorsqu'un employé captif atteint l'unité, il est tiré dans l'arbre. Conversation avec Griffin qui était captivé. Celui-ci est apparemment revenu à la normale. Tous employés retournent à la normale. Je comprends pas tout, mais
Je sais une chose, c'est que apparemment, du coup, si jamais c'est vraiment la grosse panique, il y a quelqu'un qui rentre là-dedans. Or, on sait que l'arbre peut être plus fleuri que ça, je crois. Donc, on va relancer un petit travail de perspicacité avec Courtenay. Et espérer que ce soit un travail moyen. Écoutez, c'est quoi ce délire? C'est méchant, genre, encore une fois, c'est pas du possible ça. Genre, il faut faire un travail naze pour pas mourir maintenant. Mais où va le monde? Bottom text, reste ici s'il te plaît. C'est pas que je te fais pas confiance, c'est juste que j'ai pas envie de mourir. Donc, d'après ce que j'ai compris, si jamais il y a quelque chose qui se passe, un employé au pif, un peu comme la roulette de gros bébé, va se mettre à paniquer, et s'il panique, s'il panique, il faudra qu'on le calme en lui parlant, apparemment. Sinon, il va se faire one shot par la roi. On a eu un bon travail. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Alors, ça fleurit encore. On a personne qui est captivé ici. Ramirez, t'as l'air captivé là, non? Non? Ok, non, ça va. Ramirez n'est pas captivé. Alors, dernière info, après avoir tiré un employé en son sein, quand un autre employé commence à travailler, son compteur retourne au maximum. De plus, les machins... Ah, donc ça pourrait vouloir dire que si jamais on gère des trucs très méchants, ou genre comme les entités qui foutent le bordel dans la fondation, on fourre un employé un petit peu fourre-tout qui sert à rien dedans, on l'active et ça soigne tout le monde. C'est plutôt cool, même si c'est quand même un petit peu salaud. Alors on a ici répression, ça avait pas bien marché, ouais c'est faible, et pour la suite on verra. En tout cas j'ai pas envie de refaire un travail avec lui maintenant qu'il est fleuri, parce que mine de rien, je sais pas du tout ce que ça donnera. Alors madame. Instinct avec bottom text, ça c'est le truc qui ne change pas, c'est la valeur sûre. Quoique, stop! Où es-tu bottom text? Bon, il y est déjà, j'ai pas envie de l'interrompre dans son travail, mais c'est vrai que je suis quand même intrigué par cette petite chose. Maintenant qu'on connaît un peu les règles du fleuri, du cerisier, ça m'embêterait de pas essayer de comprendre comment ce truc là marche. Elle c'est bon, la dame face au mur, on la gère, on connaît toutes les infos qu'il faut dessus, on sait comment ne pas faire des bêtises. Tiens, pendant qu'on y est, tu veux pas reboire un petit coup de potion? Allez Cédric, c'est bon pour ce que t'as. Je devrais pas en vrai. Non, hop, je suis un débile. Cédric, reste là. Quoique non en fait. Non, Cédric, utilise. Toi, retourne là-bas parce que t'as pas explosé. Parce que plus on boite ce machin, plus on a des chances d'exploser. Donc, j'étais sûr d'avoir débloqué plus de choses là-dessus aussi. Ouais, je pense bien qu'on a dû refaire un jour ou deux. Malheureusement, j'ai dû faire une bêtise quelque part, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a l'arbalète. On a même deux arbalètes. Pouf, ça c'est cool. On en est où? On a pas beaucoup d'énergie, hein. Pas vraiment la joie niveau énergique. On va envoyer Robert faire un petit peu d'attachement avec la baignoire. Puis maintenant, c'est une question d'attendre. Quoique, j'ai envie de faire un petit travail d'instinct avec ce machin. Une fois que Bottom Text sera entièrement full. Bottom Text. Ah mince, je l'ai pas mis en salle de soins. Hey! Machin, on va exploser dans le couloir s'il te plaît. Non, c'est pas toi. Toi. Ouais, parce que bon, hein, voilà. Il faut vraiment que je fasse gaffe hein, quand j'envoie quelqu'un sur la sève de l'arbre monde. Bon, tant pis. La baignoire, ça s'est bien passé comme d'hab. Le petit truc rouge. On n'a aucune information sur lui. Mais ça a l'air d'être vivant. Et pour l'instant, vivant, c'est soit de l'attachement, soit de l'instinct. Il
Il a un petit côté podé, un côté mignon qui sent un peu que qu'il y a un truc malsain. En toi, lui, il cache pas qu'il est malsain, mais ce truc-là, je sais pas. Mais on va tenter le travail d'instinct déjà. Puis si ça marche pas, on tentera le travail d'attachement. Puis si ça marche pas, bah tant pis, hein. Hop, 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 ok, très bien. Oh bah ça va, on a de la chance, aujourd'hui c'est la baignoire. Petit travail d'attachement avec la baignoire, c'est pas quelque chose auquel Robert n'est pas habitué. D'ailleurs la baignoire elle donne pas de... Elle donne des petits gants sur les mains. Qu'on voit pas forcément parce que Robert il a des... il a du bazar, mais... Ouais si, il l'a. Il a bien le... L'objet donné par la baignoire. Ce qui est cool. Ça se passe? Ok, donc il blesse en rouge. C'est original. Donc c'est comme Podé celui-là. C'est-à-dire qu'il mord. Alors, Bottom Text a décidé qu'il n'achèterait jamais de robot aspirateur après avoir vu T0541. C'est un robot aspirateur? Ok, on a eu un résultat plutôt moyen. Alors. Instinct, attachement. Ah. Bon, c'est commun. En général, commun, c'est plutôt cool. Eh, bon sang, il donne pas mal de boîtes en plus de ça, le petit machin. Vous savez quoi, on va en retenter un. Hein. Ça a pas l'air d'avoir fait grand-chose, il n'y a pas des fleurs qui sont poussées. Tout le monde a l'air de bien aller. Robert a pris un peu cher quand même. Hein. Il pique bien, le machin. Je sais pas où il est d'ailleurs, Robert. Pourquoi je dis Robert, c'est Bottom Text? Désolé, Rob. Robert que je mets partout maintenant, il est tellement génial en même temps ce Robert. Ah, je le vois partout. Par contre, waouh. La dernière fois. Ah ouais, mais c'est normal, c'est un jour de plus donc on a encore plus de demandes énergétiques. Mais la dernière fois, on en était déjà à la moitié et ça me chagrine un peu de voir qu'on n'est pas encore là. Donc on va faire un travail avec bébé aujourd'hui. Parce que bon, à un moment, il faut accepter qu'on a besoin d'énergie. Et nos deux plus gros fournisseurs d'énergie pour l'instant, c'est bébé et robot ménager. Robot aspirateur. Robot aspirateur. Est-ce que je refais un travail avec lui? Allez, instant. Bottom Text, à toi de jouer. Puis vous, si jamais Bottom Text il devient fou, vous le calmerez. Alors. Machin truc est compétent dans toutes les tâches ménagères, j'ai pas eu le temps de lire. Il était fameux pour ses produits robotiques. Ah, d'accord, donc c'est une boîte qui s'appelait XX Incorporated. Il dispose de nombreuses fonctions installées dans son corps, des alarmes anti-intrusion au système de surveillance, à la cafetière au contrôle de l'éclairage. Il contient tout ce dont un foyer a besoin. Mais il est pas. Il a pas l'air si méchant que ça au final, ça a l'air même d'être un robot plutôt cool. La plupart des gens ne le savent pas, mais machin truc est un ex fait un excellent café. Bien sûr, plus personne ne lui demandera de faire une telle chose désormais. Petit sous-entendu de... y a un truc... Y a quand même, encore une fois, une histoire de pâté dans tout ça. Bon, ça a l'air de bien se passer, vous pouvez revenir là-bas, vous. 11 boîtes. Vous ne devez pas vous contenter de la moitié de l'énergie. Votre mission doit être accomplie. Très bien, Angela. Eh ben le bébé, on le gère aujourd'hui. On est chaud comme la braise. Vous savez quoi? On va refaire un petit travail avec bébé dès que notre Robert National sera remis. Allez. Allez, allez. Impec. À toi de jouer, Robert. Pouf, 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 pouf. Est-ce que on renvoie quelqu'un sur bébé, robot, machin truc? Bah déjà, on va débloquer la suite. 9 points pour débloquer des infos. On a même pas assez pour en acheter deux. Il y a intérêt à ce que ce soit vraiment des conseils de fou. Lorsque le résultat de travail est normal, le compteur a une probabilité moyenne. Merci connard. Attachement, c'est bien ou pas avec lui? Non, ça pue. Donc on va pas faire de l'attachement avec lui. On continuera sur du rouge. Ça a l'air de marcher plutôt bien. Alors attendez, si ça a une probabilité moyenne de diminuer, qu'on a déjà fait deux trucs normaux, vaut mieux qu'on arrête de faire des frais maintenant parce que c'est un peu dangereux. Elle donne combien de boîtes? 14. L'arbre. On sait pas. Il suffit de compter. 2,
4, 6, 8, 10, 12. 12 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, ouais, 12. Bah, l'arbre, en fait, ça vaut vraiment pas le coup. Il donne pas beaucoup d'énergie. Il peut manger un de nos employés. Je pense qu'on va laisser l'arbre tranquille. Encore un travail excellent avec bébé ? Il est pas encore soigné. Vraiment là je commence à douter de quel travail on fait avec qui quoi, parce que il nous faut à la fois beaucoup d'énergie et de l'autre côté genre les créatures qu'on est obligé d'utiliser pour choper vraiment pas mal d'énergie sont de plus en plus dangereuses quoi. Bon, après j'imagine que c'est le but hein, mais c'est vrai que c'est très cornélien tout ça. Risquer la vie d'un employé ou ne pas remplir nos tâches enfin nos quotas énergétiques assez vite pour qu'il n'y ait pas des bestioles qui arrivent et qui nous dépassent. Parce que là, franchement, on fait un bébé, deux bébés, trois bébés et quatre bébés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. En vrai, trois bébés. Si on arrivait à faire trois bébés à la suite, je pense qu'on aurait assez d'énergie pour passer la journée sans avoir à se taper les vilains petits trucs là qui arrivent et qui cassent tout. Oh, j'espère vraiment que ce sera pas les immondes petites merdes là qui font n'importe quoi, les espèces de gros vers de terre immondes, parce que eux ils sont vraiment très casse-pieds. Faudrait que je fasse gaffe à qui j'envoie sur eux d'ailleurs, parce qu'on a vu que les armes de mêlée c'est pas forcément le top contre eux. Allez, on a débloqué la tenue de bébé, maintenant on a officiellement tout débloqué sur bébé, c'est cool. Bon bah ça fait plaisir quand même de se dire qu'on a quand même réussi à gérer bébé. Tenter quand même un petit travail d'instinct avec Bottom Tex. Ça m'étonne quand même que Bottom Tex qui a 3 en... En fait non, on va faire autre chose. Vu qu'on peut envoyer un autre employé ici, je vais envoyer Pirouille. 75, on n'a pas quelqu'un qui a plus de vie que ça. On a Robert, mais bon Robert c'est un peu mon best. Allez, à toi de jouer self-insert. Bottom Tex, tu vas le seconder. Qui a une arme de distance dans cette équipe aussi? Personne d'autre. Ouais. Bah du coup, si jamais il pète un câble, il y aura... Ah ouais, Robert il en a une aussi, la flûte de Pan. Bah tu sais quoi Robert? Je t'envoie dans une autre section. Ouais, pas mal. Un peu moins bien. Un peu beaucoup moins bien. Ne meurs pas, self-insert, pitié. Ok, il a l'air de gérer approximativement. Ouais, franchement si on se tape... Ok, il faut jamais que je dise si jamais on se tape que 3 ou 4 machin, parce qu'à chaque fois, c'est le moment où on se prend un échec. Bon, dernière info. Lorsque le travail est mauvais, le compteur a une probabilité élevée de diminuer. You don't say. Bon, on sait du coup que quand le travail est bon, c'est à partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 échecs max. Je sais pas si 7 ça passe, mais bon, on va dire que c'est 6 vu qu'on a vu que ça marchait. Donc, en partant sur ça, on va renvoyer Bottom Text dans la boîte. Robert, prof, tu peux retourner travailler. Pourquoi il a une petite étoile sur lui, Robert, il est cool. Il y a une raison pour laquelle t'as une étoile. Coupeur de poignet. Ah période de travail 8. Tempérance plus 10. Hein, c'est parce que c'est un ancien employé. Il est jamais mort. Ou une bêtise comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. On peut encore se taper un échec, Bottom Text. Après ça, c'est risqué. Allez. Ouais, bien joué, Bottom Text. Félicitations, là pour le coup t'as géré la fougère. Allez, on débloque la fin de ça. Ouh, il donne des petites lunettes sympas. Pourquoi? Broyeuse MK4. Taux de réussite, vitesse de travail, taux de réussite des travaux de perspicacité. Ah ouais, avant les autres objets d'ego en général nous donnaient
des capacités de réussite augmentées avec l'entité, et là ça commence à devenir des objets qui nous donnent des bonus, même si c'est pas l'entité en elle-même qui est affectée. Ce qui est plutôt cool. Et je vois bien Robert avec des petites lunettes rondes, parce que tu serais quand même vachement swaggy. Oh. Bah alors? On a un employé mort. Voilà qui m'est désagréable. Pourquoi? Bon, écoutez, hein. Tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Et j'ai envie de trigger. Alors, One Scene, c'était quoi, tiens? One Scene, c'était de l'attachement. J'ai envie de trigger l'événement des sales petites bêtes en envoyant la personne la plus faible qui traîne dans les locaux, c'est-à-dire Yonhod, travailler avec One Scene, parce que One Scene, il est gentil. Et comme je le disais, encore deux travaux de bébé, et puis c'est bon, hein. Bon. On saura que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à la limite. Ok, doute, t'es qui, doute? J'aime pas trop, doute. Ok, bottom text, à toi de jouer. Olivier, t'as beaucoup de vie? Non, t'es à 17, mon pote. Ça va pas suffire. Toi, t'y vas. Courtenay, 34, t'y vas. Olivier, ah merde. Il y en a 4 au total. Non, il y en aura 8. Non, 1, 2. Ok, non. Changement de plan. Bottom text. Ici. Courtenay, ici. Ramirez, t'as combien de vie? 37, ici. Toi aussi, ici. Toi, tu restes là, sagement, tu ne bouges pas. L'équipe des grands gaillards, vous allez me défoncer celui-ci. Robert en tête, suivi de Kimouil. Si je vois que ça part vraiment trop en steak, tu recules. Et toi, le petit nouveau, tu restes là et tu fais de ton mieux pour ne pas mourir. Et vous, vous êtes tous des grands gaillards, donc je peux vous envoyer tous. Allez, casser du robot. Ok, action les boys. Il est où? Il est pour là? Il est là-haut. Ok. Est-ce qu'il tape fort sur nos employés? Ok, déjà les sbires... J'allais dire les sbires ne meurent pas en un coup, mais... ok. J'aimerais vraiment avoir un moyen de voir mieux mes employés quand même quand il y a tout ce bazar. Je pense qu'il doit y avoir un moyen, mais pour l'instant je suis juste obligé de faire comme ça là. C'est pas ouf. Courtenay, tu prends très cher dans ta petite tête quand même. Hein. Courtenay, dès que t'es à la moitié de ta vie, voilà, à peu près. Courtenay. Par là. Ok, impec. Ici c'est géré. Ici ça va bientôt l'être. Et quant à ici, j'imagine que les boys, vous êtes prêts. Pirouille, allez, attaque. Neptu. Non, non, pas encore. Pas encore. Il est où Robert? T'es où? Mais c'est une blague. Pourquoi Robert est resté en arrière? Non. Ok, attendez. Ok, ça va. C'est juste de la corruption mentale. Toutes les unités au travail. Olivier, tu restes ici. T'es trop petit pour ce genre de violence. Je veux que toutes les unités se dirigent là et cassent du robot. Ok, alors, c'est pas encore totalement désespéré. Bottom text, je veux que tu me traques Kimouil immédiatement avant qu'elle fasse des conneries. Parce que là, elle est en train de rusher avec une baramine sur une porte et ça me met pas du tout en confiance. Quant à Warsen, Warsen, vraiment, je t'aime bien, mais au pire, si tu meurs, ça me fait moins brère. Même si je crois qu'en vrai, Warsen est plus intéressant que les autres. Wow. Oui, bottom text. Je ne sais pas où est bottom text, mais je crois qu'il est là-dedans, en train d'affronter le robot, et ça me saoule. Vite, tout le tas d'employés ici.
Bottom text, non, je suis en train de voir la mauvaise équipe. C'est pas celle-là non plus. C'est ici et bottom text, il est où? Tu ne réprimes pas bottom text. Tu. En fait, si, peut-être bien que tu réprimes en fait. Lâcher le robot, c'est pas grave, au pire, allez calmer qui mouille. Oh oh, bien joué, ok. Calme, 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 tout va bien, Courtney, retourne-y. On a envoyé l'équipe de toute façon. Ah ouais, mais il rend tout le monde taré en fait. Ok, nice. Et le dernier, il faut le gérer. Okay, ouais. Ouh, bien joué les boys. Et bah au final, j'ai eu peur. Mais ça s'est mieux passé que d'habitude. Allez, que tout le monde rentre à son poste. Je crois que c'est surtout là. Ouh ! Ok, tout va bien. Bon, il y a quand même eu la musique du stress qui s'est enclenchée. Du coup, j'ai vraiment cru quand j'ai vu Yezod apparaître sur le côté qu'on avait perdu deux employés. Mais apparemment, plus de peur que de mal. Et Dieu qui a eu de la peur. Waouh. Ok. Bon, on va finir sur un travail un petit peu plus calme pour la fin de la journée. Petit travail d'instinct sur la dame du mur. Petite baignoire en attachement avec Robert. Et pour finir, parce que ce sera dommage de ne pas envoyer du monde partout, on va faire un travail avec Anna sur Podé. Et puis voilà! Prophétie cutanée, on l'avait déjà entièrement. Ah merci. Ah oui, un peu de musique de tout va bien, personne n'est mort. Ouh. Ok. Eh ben franchement, ce jeu, je dois dire que j'ai rarement eu un jeu qui me fait autant stresser. C'est assez intéressant hein, pour le coup de voir à quel point est-ce que on s'attache à ces petits bonhommes tout mignons. Fin de journée, pas mal. J'ai limite envie d'envoyer Robert sur bébé pour finir. Parce que... bah non, en fait, il n'y a plus de raison de le faire. À part le fait qu'il donne des points et pour le coup, on a fini la journée. Je vais laisser Anna terminer son travail avec Podé, histoire de... Parce qu'elle aime bien Podé. Et demain, on travaillera avec... Oh bah vous savez quoi? Limite, on rush un travail sur l'aspirateur. C'était de l'instinct. Avec bottom text. Alors là, bottom text, si tu me montes pas d'un niveau en instinct, après toutes les trucs héroïques que t'as fait aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Oh punaise, quel carnage immonde. Ce jeu est gore, mine de rien. Bon, c'est sympa, mais... Alors, quand il a été découvert que l'assistant de poche souffrait d'un défaut critique, il avait déjà été vendu à une famille. Ah ! Donc c'est ça, c'est un robot très 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 performant, mais qui a malheureusement eu un petit pet au casque. Je refais un travail bottom text et je passe la journée. L'assistant de poche dispose de nombreuses fonctionnalités installées dans son corps. Des... On l'a déjà lu ça monsieur. Ok, t'en as loupé un. Tant pis, fin de tournage. Et voilà, ça c'est une belle journée. Une belle journée sans mort. J'adore les journées sans mort. Ok, impec. Alors voyons voir les stats. On a eu un petit peu plus de PV pour Piroui. Un petit peu plus de fortitude, nice. Et de PV max pour Anna. Yun Odd a chopé de la vitesse de travail, Robert pareil, et on a Bottom Text qui a pris un niveau de fortitude et des PV max. C'est génial. Et quant à Courtney, elle a gagné des de la santé mentale max, je crois. Ok. Oui, j'en suis sûr. Ouh, petite journée un petit peu stressante, hein. Jour 14. Déjà ? Ok, alors. Ceux qui ont été opérés par la machine sont nombreux à s'être sentis plus reposés et en meilleure santé. Eh, ça sent le truc maléfique, ça. Ils deviennent littéralement l'endroit le plus sûr du monde. Ok. L'ambition excessive entraînera une frénésie irrationnelle. Alors lui,
ça sent la méga grosse angoisse, donc c'est non. Donc c'est de là qui sont plutôt cool. Reste à savoir lequel est vraiment cool, genre oh là là, c'est un spa qui rend la vie aux employés qui l'utilisent, ou lequel est en mode après tout, quand on est mort, on ne souffre pas, alors du coup, on est bien. Il devient littéralement l'endroit le plus sûr du monde. Ceux qui ont été opérés par la machine sont nombreux à se sentir plus reposés en meilleure santé. Oui, c'est toi l'andouille. Okay. Comment s'est passée votre journée? Elle était un petit peu stressante, Angela, mais sinon elle allait. Personnellement, j'ai remarqué qu'un employé a rempli sa bouteille d'eau de... a rempli sa bouteille d'eau de bière de marque et en a bu toute la journée. Parfois, je me demande ce que cela fait d'être ivre. Une fois, j'ai été infecté par un virus qui dominait l'internet à l'époque. Il me faisait percevoir 10 fois plus lentement. Tout percevoir 10 fois plus lentement. On raconte que l'ivresse est similaire. Mes déplacements mous ont fait rire tout le monde ce jour-là. Excusez-moi, administrateur. Vos expressions faciales sont difficiles à lire aujourd'hui. Si vous voulez me dire quelque chose, faites-le donc. Me ferez-vous un jour du mal? Allez-vous saboter la corporation? Allez-vous saboter... Ah, mais oui! On a le Pinocchio machin truc. Alors le problème, c'est que les deux questions que notre perso pose sont des trucs qui peuvent être biaisés par comme l'a dit B, par un détournement. En gros, me ferez-vous du mal un jour? Non, mais rien ne dit qu'elle ne va pas permettre un truc de me faire du mal un jour. Et allez-vous saboter la corporation? C'est la même chose, quoi. Donc, mais bon, je suis un petit égoïste, du coup je vais lui demander, me ferez-vous du mal un jour? Parfois, les humains détestent excessivement l'existence d'êtres improbables. Lorsque je vous ai dit que j'étais différente des autres, j'ai détecté du scepticisme dans vos expressions faciales. Peut-être que vous commencez à me plaire. Partager des émotions avec quelqu'un est une expérience précieuse. Et pourtant, vous me demandez si je conspire contre vous. Oula, elle a ouvert les yeux là. Je n'ai jamais prévu de... et ne compterai jamais vous faire le moindre mal. Eh, ça brille en rouge! Waouh, 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 waouh! L'intrigue! L'intrigue est en train de s'épaissir. Angela voudrait donc notre peau? Bon, on verra bien. Salut Netzak, toi, mon t'es cool. Quand je ferme les yeux, je me sens complètement ailleurs. Je vois un autre monde, dans lequel j'avais ma place. Je crois me souvenir que je faisais quelque chose afin de sauver la vie de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, je suis ici. Quel est l'intérêt de sauver la vie d'un employé si c'est juste pour le voir mourir le lendemain? Quel est l'intérêt de repousser l'inévitable? Allez, tire un peu, Netzak. Regarde, hier, j'ai tué personne. Ne regarde pas avant-hier. Ceux qui travaillent ici n'ont aucun avenir. Aucune de ces petites choses que l'on appelle projets et rêves. Aucune introspection, aucun espoir de devenir une meilleure personne demain. Tout ça, c'est un luxe qu'ils ne peuvent pas s'offrir. Pourquoi dois-je me réveiller pour subir encore un autre jour? Pourquoi dois-je supporter la douleur et m'en sortir, tout en sachant que demain sera tout aussi épouvantable? Nous ne sommes que des moutons de panurge plongeant droit dans les abysses. Oula, oula, Netzak, prends tes cachets, Netzak. À ce propos, on peut avoir un distributeur de bière? Je suis sûr d'avoir déjà entendu cette phrase aussi, bon sang! Quitte à mourir, autant bien se torcher avant de tomber raide. Vous savez que je ne peux pas faire ça, Netzak. Ne sortez pas du rang, Netzak. Considérez ceci comme un avertissement amical. Vous savez ce qui va se passer si vous préférez encore une fois de telles inepties. Oh, j'adorerais vous voir faire ça, madame. C'est ça, continue de m'ignorer autant que tu veux. Ça changera de d'habitude. Ce qui est plus important que de garder les employés en vie, c'est s'assurer qu'ils restent sains d'esprit. Si vous n'êtes pas prudent, leurs esprits peuvent subir des dommages irréversibles pour le reste de leur vie. Vous allez devoir assurer leur santé mentale... Enfin, vous allez voir qu'assurer leur santé mentale est plus difficile que de les garder en vie. Finissez une journée sans employés en panique.
Ouais, moi je dis que c'est ce Zarba. Eh, hey, vous allez développer mon secteur et me voir mourir, c'est ça, hein? Oui, calme-toi, Netak. Allez. Olicker, aujourd'hui est une nouvelle journée, et je suis presque sûr que personne ne mourra. Par contre, je dois admettre que personnellement, je préfère quand même un employé fou à un employé mort. Hein. Mais bon, chacun son délire. Alors, gaz anticorruption mentale augmente la récupération de santé mentale. Un gaz spécial qui combat la corruption mentale sera relâché dans les salles de réunion afin d'accélérer la récupération de la santé mentale des agents. Alors, je sais pas éthiquement si c'est super de droguer les gens juste pour qu'ils aillent mieux, mais bon, écoutez, hein, ils ont dû signer un truc. Hein. Alors, régénérateur MK2, augmente la récupération de PV, ça c'est bien aussi. Améliore la régénération sectorielle, enfin les régénérateurs sectoriels, pour que les agents de la salle de réunion soient soignés de leurs blessures physiques plus rapidement. Et le troisième, modification des régénérateurs distinctifs, active les régénérateurs en même temps. Active les régénérateurs en même en présence d'une anomalie. Les régénérateurs sectoriels continuent de fonctionner à une vitesse ralentie même si la salle de réunion est envahie par les forces hostiles. Ils continueront de soigner nos employés grâce à une formule qui différencie les alliés des ennemis. C'est vrai que ça c'est bien pratique de pouvoir se faire soigner pendant qu'on se bat, mais jusqu'ici on s'est jamais battu dans une salle de réunion. Du coup je pense qu'on va plutôt partir sur... qu'est-ce qui remonte le plus lentement? La vie, vu qu'on n'a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup de santé mentale. Donc vous voulez faire cette recherche? Oui, Netak. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que mine de rien, on a quand même bien bossé. Bon bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre pour le prochain. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.